Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Sophie Garel, Stevie Boulet, Valérie Mérès, Christine Bravo, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Manifestement, il y a encore eu une distribution de bijoux en coulisses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Loïc. Écoutez, c'est bientôt Noël. Alors on montre nos strass. Regarde là. Moi, c'est mon stress que je montre. Moi, je cache le mien. Sophie n'a pas besoin de tout ça. Elle a ses atouts naturels, n'est-ce pas, Sophie? Moi, on me demande de rendre le maquillage à la sortie. Là, c'est un drame. C'est un drame. Passons tout de suite à la photo du jour. Et cette photo, c'est évidemment celle de Philippe Noiret, disparu hier à l'âge de 76 ans. Ce matin, toute la presse lui rend évidemment et tout à fait normalement hommage. C'était un immense comédien. On peut citer quelques films, entre autres Le Vieux Fusil, La Vie et Rien d'autre, Alexandre le Bienheureux, on s'en souvient, c'était avec Pierre Richard, La Grande Bouffe, avec entre autres Andrea Ferréol et aussi Marcello Mastroianni, évidemment. Cinéma Paradiso, ça c'est plus récent. Les Ripoux, parce qu'il a fait des tas de films très drôles aussi, non seulement Les Ripoux, mais Les Rois du Gag, Les Grands Ducs, un film de Patrice Lecomte, et aussi plus récemment Père et Fils, le film de Michel Boujenah avec Michel Boujenah. Philippe Noiret est mort, titré sobrement ce matin le Parisien. Noiret clap de fin pour François Noiret. Dernier rôle, annonce Libération. Philippe Noiret nous a quitté hier, titre sobrement le journal Métro. Philippe Noiret, la mort d'un gentleman. Il serait qu'on disait souvent ça de lui, une sorte de gentleman farmer même. Vous, si vous aviez un film à retenir, Valérie, est-ce que vous avez tourné avec lui? Non, j'ai jamais tourné avec lui, mais moi, je voudrais dire, puisque chacun dit son petit texte, je me noierai dans le chagrin en pensant à lui. Oh, c'est joli. Gérard. Oui, c'est... Ce que j'aimais surtout chez lui, comme chez Rochefort sans doute, c'était sa diction, sa façon de parler. Il avait une façon étonnante de dire n'importe quel dialogue. Très imitable d'ailleurs, beaucoup d'imitateurs ont imité Philippe Noiret. Et ça, c'est comme Jouvet, c'est-à-dire c'était une certaine façon de parler avant même les images. Je veux dire que c'est le TNP de Jean Vilar, hein, c'est la grande époque du théâtre populaire à Avignon, entre autres. Sophie Garel et des cabarets. C'est ça qui était étonnant chez cet homme-là, c'est qu'il était à la fois issu du théâtre populaire classique, le théâtre de Jean Vilar, et en même temps, il faisait les cabarets le soir avec Jean-Pierre Darras, disparu lui il y a quelques années. Et moi, déjà. Je l'ai connu comme c'était ça. C'était un duo comique, hein, on oublie. On a retenu évidemment Poiret et Serrault, mais il y avait aussi Noiret Darras. Sophie. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que c'était un amateur d'art éclairé. Il est venu chez moi. Et il était très distingué, tout en tweed anglais. Et j'avais un labrador un petit peu agité, très, très près du corps, et qui s'est jeté sur lui. Il a été d'une tendresse, il a calmé l'animal. Et j'étais absolument épatée par cet homme. Philippe Gueluc. Immense admiration, immense tendresse. J'ai eu le bonheur de le rencontrer. Moi, il y a un film, c'est évidemment Alexandre le Bienheureux. C'est là que je l'ai découvert. J'étais môme. Et puis, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très, très, très longtemps. Et il me disait, il me confirmait qu'il était d'accord de faire la voix du chat pour un dessin animé en préparation. Il aurait pu faire le chat. Hélas, ça ne se fera pas. Mais si, la vie, on sait comme elle est faite. Elle est merveilleuse. Et puis, elle se termine toujours tristement. Mais à l'autre bout, il y a des choses heureuses, puisque nous saluons aujourd'hui la naissance de la petite Chloé, qui a mis au jour cette nuit Laurence qui travaille avec nous. Et voilà, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui arrive. Christine. Mais moi, j'étais jeune journaliste au Matin de Paris, qui était un grand quotidien à l'époque, qui s'est cassé la figure malheureusement. Et j'avais fait un papier sur un de ses films. Et dans le papier, je disais que mon plus grand rêve serait de déjeuner avec lui. Et quelques jours après, à la rédaction, on a reçu une petite lettre magnifique avec « Quand voulez-vous? Quand êtes-vous libre ?» signé Philippe Noiret. Jamais osé rappeler tellement... Moi, j'étais rien, tu vois. J'étais une petite nénette de 25 piges. Personne ne me connaissait. J'ai pas osé le rappeler. C'est mon plus grand regret. Ah, il sait pas à côté de quoi il est passé. Stevie. Tout le monde l'admirait. Et puis, moi, ce qui me fait drôle, c'est qu'on en a encore parlé il n'y a pas très longtemps. Il était au théâtre avec Anouk Aimée. Avec Anouk Aimée. C'était en dans début Love Letters, on avait reçu Anouk Aimée ici. Effectivement, ils étaient tous les deux sur scène à lire une correspondance fictive, évidemment, qu'interprétaient deux amoureux éternels. Voilà, et puis bah, voilà, la maladie l'a emporté, chiant. Mais j'ai trouvé. Je sais pas, ça fait bizarre. C'est vrai, plus on avance en âge et plus on voit mourir des gens qu'on aime, c'est insupportable. C'est classique, ça. Ouais, c'est pour ça. J'ai peur pour nous tous. Il vaut peut-être mieux s'attacher à des gens qu'on n'aime pas, comme ça on n'est pas triste de les voir partir.
On va regarder ensemble Philippe Noiret, notre façon, nous aussi, de lui rendre hommage. Alors, pour situer l'année et quand ça se passait, c'était une semaine après la disparition d'Yves Montand en 91, dont Bernard Pivot recevait Philippe Noiret et l'interrogeait sur cette disparition d'Yves Montand. Regardez Philippe Noiret répondant à Pivot. Alors, quand un confrère comme ça meurt, est-ce que... Excusez-moi de poser des questions, mais est-ce qu'on ne pense pas à sa propre disparition? Est-ce qu'on ne se dit pas, et qui va parler de moi? Quel film ils vont passer le dimanche soir Non, ça ne va pas jusque-là, non. Oh, et regardez-moi quand même, est-ce que c'est bien vrai? Non, on se dit ce que tout le monde se dit. Je veux dire, Yves, il est mort à 70 ans, je me dis j'en ai 60. Oui. Bon, ben voilà. Ouais. Alors, c'est tout. Oui. Pas plus. Non, pas plus, ouais. Non. Non. Moi, je me dis, non, parce que je me dis, tiens, peut-être qu'il a dû se dire, tiens, quel film il passe. Oh non, ça, je m'en fous complètement. Alors. Ah non, mais non, vous en foutez. Vraiment, vous en foutez. Quoi, du film qui passe le jour où je m'en Oui, non, pas du tout. Vous n'aimeriez pas ça. Non. Ça, je m'en tape complètement. Complètement. Oui. Ah oui, vraiment. Ah, bon. Oui. Moi, je me disais, tiens. Non, mais je me tape déjà des films qui passent en ce moment. Là, vous pensez que je serais mort. Et voilà. Le film. Le film qui va beaucoup passer, forcément, évidemment, c'est Le Vieux Fusil, un des films vraiment énormes joué par Noiret et Romy Schneider. Vous, le film que vous retiendriez, part Alexandre le Bienheureux C'est celui-là, parce que j'étais jeune et j'étais morte de rire. Tu étais longtemps jeune, toi. Gérard, le film, vous? Écoutez, moi, j'ai bien aimé Les Ripoux. Peut-être pas le dernier qui n'était pas le meilleur, mais en tout cas, le premier des Ripoux était très réussi. Avec Thierry Lhermitte. Valérie? L'Horloger de Saint-Paul. L'Horloger de Saint-Paul, un film de Tavernier. Il a beaucoup tourné avec Tavernier. Et Sophie? Le Vieux Fusil, oui, Le vraiment. Vieux Fusil aussi avec Romy Schneider. Oui, Le Juge et l'Assassin aussi. Avec Michel Galabru. Magnifique. Confrontation formidable. Oui, mais voilà un grand acteur qui a joué dans des grands films, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas. Il y a une filmographie incroyable. Si on regarde dans tous les journaux aujourd'hui la filmographie de Philippe Noiret. Alors d'abord, on l'oublie ça aussi, Zazie dans le métro. On peut conseiller aussi Tendre voyou de Jean Becker. Vous l'avez dit, Alexandre le Bienheureux. La mandarine avec Annie Girardot, film d'Edouard Molinaro. La grande bouffe, évidemment, de Marco Ferreri avec Andrea Ferréol, je l'ai dit, Ugo Tognazzi et Marcello Mastroianni. On peut citer aussi L'Horloger de Saint-Paul. On peut citer Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Très joli film. Et pourquoi ce film est important, Que la fête commence? Parce qu'il y avait Noiret, il y avait Rochefort, mais il y avait en apparition pour la première fois au cinéma, c'est Rochefort et Noiret qui les avaient amenés, l'équipe du Splendide dans des tout petits rôles. Et il se trouve qu'après, c'est l'équipe du Splendide qui a fait tourner évidemment beaucoup Noiret et Rochefort. Je pense par exemple effectivement à Twist Again à Moscou et à des films de ce genre. C'est-à-dire qu'ensuite, les rapports évidemment se sont inversés. Les Ripoux, on l'a dit. Il y a aussi Cinéma Paradiso, plus récemment, évidemment. Ripoux contre Ripoux. Le Grand Carnaval, avec Patrick Bruel, qui nous en parlera d'ailleurs demain soir dans On n'est pas couché. L'Étoile du Nord, avec Simone Signoret. Il y en a des films. Un film très drôle aussi. On a volé la cuisse de Jupiter, avec Francis Perrin et Annie Girardot. Un film de Philippe de Broca. Et Tendre Poulet, avec Patrick Devers. On recevait cette semaine la maman de Patrick Devers. Tendre Poulet, avec Patrick Devers aussi. Voilà des tas de films que vous pouvez regarder maintenant en DVD. Il y a vraiment l'embarras du choix pour peut-être mieux connaître encore la filmographie de Philippe Noiret, à qui on tenait à rendre hommage ce soir. On accueille maintenant Flore Vasseur, une écrivaine dont le premier roman, Une fille dans la ville, publié aux éditions des Équateurs, a fait sensation dans le milieu littéraire, puisque ce livre a été récompensé cette année par le prix Découverte Figaro Magazine Fouquet's 2006. Une fille dans la ville raconte les pérégrinations d'une jeune fille perdue dans un monde où la folie économique est reine toute puissante. Une jeune fille contre le CAC 40, ont d'ailleurs parfois titré, résumé ce livre. Sophie, vous avez lu Flore Vasseur, elle va nous rejoindre sur ce plateau. Dans un instant, vous allez nous dire exactement ce que vous en avez pensé. Christine aussi, d'ailleurs, l'a lu. Voici Flore Vasseur. Bonsoir, bienvenue. Vous aussi, vous attendez un heureux événement. Oui. Hein, et c'est pour bientôt. C'est pour tout bientôt. Peut-être même ce soir. Là, peut-être même ce soir. Avant, peut-être même tout de suite. Ouais. Peut-être même maintenant. Voilà, exactement. Voilà, c'est votre premier livre. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Incroyable. Hein, incroyable. Plutôt heureuse. Ah bah c'est une période magique. Tout un à fait. Un prix Découverte, deux bons papiers, quelques critiques quand même. On y viendra. Mais écoutons d'abord celle de Sophie Garel.
Si vous saviez comme je suis heureuse et rassurée de vous voir avec ce joli ventre, parce que ce bouquin m'a fait peur, il m'a tétanisée. C'est l'histoire, c'est écrit un petit peu comme un journal de bord, et ça se passe entre 99 à peu près et 2005. L'histoire d'une nénette qui était déjà championne de snowboard, donc qui savait ce que c'est la vitesse, la compétition, réussir, et qui fait HEC comme ça, histoire de rigoler un peu. Elle a son diplôme, elle sort de HEC, elle entre tout de suite dans une société de luxe à Paris, mais Paris c'est trop petit, c'est trop étriqué. Allez, allons à New York, et elle a les dents qui passe la moquette qui rayée. Elle voyage et elle fait du skateboard et elle fait du vélo et elle fait de l'avion et elle veut gagner et elle en veut plus et elle en veut plus. Et alors, elle s'éclate, elle a des relations amoureuses qui ne sont pas des relations amoureuses. Il y a une peinture de la société nantie new-yorkaise, de toutes ces gonzesses qui ne mangent que biologique, qui font tous les jours à Central Park leur petit jogging avec leur petite tenue signée grand couturier. L'envie de réussir, de gagner, d'écraser la terre entière. Elle a à un moment donné une idylle qui paraît un petit peu plus sérieuse qu'une autre. Le mec, il lui offre un cadeau. C'est un bouquin sur la finance. Excitant, ça aussi. Enfin bon, bref. Elle a quand même caché au fond de son petit corps nerveux une histoire d'amour qui n'aboutit pas. Un mec qui est un peu fantasque, qui est un homme à fille et qui lui échappe sans arrêt et dont elle est amoureuse. Ce mec-là, il est parti à Kaboul pour faire de l'humanitaire en Afghanistan. Mais cette fille réussit jusqu'au moment où la bulle Internet a été branchée à cette bulle, s'écroule. Le Nasdaq s'écroule aussi. Moi, je dis des mots que je ne comprends pas, mais enfin, ça, c'est pour prouver que j'ai lu le livre. Alors, il y a plein de lexique, hein. Oui, alors, il y a plein de mots qu'on ne comprend pas. Et c'est écrit avec beaucoup d'intelligence parce que toutes ces expressions américaines sont expliquées en marge du bouquin. Exactement. Et moi, ça m'a fait perdre le fil. C'est d'un cynisme, c'est d'un difficile. C'est un monde que je ne connais pas, mais c'est le monde sûrement actuel de ces jeunes qui sortent des grandes écoles et qui veulent bouffer la terre entière. Alors, elle part pour Kaboul, elle va rejoindre son camarade et elle s'aperçoit aux déceptions que l'Afghanistan, c'est pas ce qu'elle pensait, que la mission humanitaire, c'est pas ce qu'elle pensait. Les mecs, ils sont aussi pareils, ils sont tous de sa promotion. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du pognon, c'est faire du pognon, même sur la misère humaine. Et là, elle rentre totalement désespérée. Et heureusement, la dernière phrase rachète tout le bouquin. Elle se dit, s'arrêter, c'est enfin vivre. Et ça, j'ai commencé à vivre quand j'ai fermé le bouquin parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment intelligent. Ça n'appartient absolument pas à mon monde, mais c'est sûr que c'est palpable et que ça existe et qu'on est obligé de lire ce livre pour avoir une idée de ce que ces jeunes ont dans la mâchoire. Ah, une fille dans la ville. Flore Vincent, le résumé est plutôt correct? Oui, bah c'est extra, merci. Enfin, je pense juste que ce n'est pas exactement que pour une élite de jeunes qui voyagent, etc. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment voulu raconter, c'était l'entreprise comme terre de souffrance et la mondialisation qui bouffe tout. Donc, oui, je prends une héroïne qui, effectivement, sort... Mais elle vous ressemble beaucoup, l'héroïne. Elle me ressemble beaucoup, mais le propos, je pense, c'est moins l'héroïne que ce qu'elle voit et ce qu'elle décrit. Et ce qu'elle décrit, c'est quelque chose qu'on vit tous. C'est cette espèce de monde complètement schizophrénique. On sait tous qu'on va dans le mur. Mais tout le monde n'est pas dans le bain, vous l'êtes vraiment. Oui, mais tout le monde participe de près ou de loin à une entreprise, à un travail ou quoi que ce soit. Donc, on est tous en lien avec cette réalité économique qui, finalement, prend le pas sur absolument tout. Donc c'est ça vraiment que j'ai voulu décrire, vraiment l'horreur économique. Une fille dans la ville, New York, Paris, Kaboul, c'est aux éditions des Équateurs. Christine? Alors deux choses, c'est un sujet intéressant, on parle bien du culte de la performance. Alors moi j'ai évidemment appris des tas de choses, notamment qu'aux États-Unis on crée une entreprise comme on joue à la dinette. Hein. Mais alors moi c'est pas ça que je veux parler, c'est du style. C'est un roman qui ne se lit pas, c'est un roman qui se rappe et je le prouve. Alors ça commence avec le titre, Serge, musique. Une fille dans la ville, New York, Paris, Kaboul. Angelo, mon roommate, est un musicos raté, la quarantaine bien tapée par des nuits de guitare et une vie sans éclat. Un rital déraciné, il a la vie dure, la peau rêche, l'attitude de celui qui veut cacher la défaite. Il me parle en gueulant, me cuisine la pasta, il a perdu son pays, sa propre trace, mais pas sa tendresse. Voilà, et ce que je vous dis... Voilà. Je n'ai jamais rappé un roman. C'est la première fois. Des carottes fois. Parfois, mais un roman jamais. J'ai rappé un roman et je pense... Doc Gineca est né. Je pense, les enfants, que c'est un très très bon livre pour les ados. Mais je pense que dans ces moments où on file aux ados des grands classiques, hein, parce qu'ils sont sur Flaubert et tout, même si c'est formidable, c'est ça qu'ils ont envie de lire. Donc, je conseille pour les parents un livre à râper
sous le sapin de Noël, parce qu'ils seront cuits, vous comprenez, ils sont obligés de lire, et en même temps, c'est du rap. C'est la nouvelle Marguerite du rap. Non, mais on parle du culte de la performance, et c'est vrai qu'on est dans une époque de folie absolue, mais je vais vous dire que nous, personnellement, on connaît un type, vous n'allez pas nous croire, qui fait une émission quotidienne à la radio, c'est lui. Une autre à la télé, et puis une hebdomadaire en plus. Enfin, je veux dire, il n'y a personne. Il rappe sa vie. Il y a des fous, actuellement. Je vous présente un jour, Laurent. Stevie Boulet. Moi, j'ai très envie de lire ce livre. Oui. Mon livre, je vais dire. Ce livre. Stevie, le nègre de Fleur Vasseur. Enfin, la révélation ce soir sur France 2. D'un côté, soit les gens adorent, soit... Enfin, il y en a un surtout qui a été plutôt vachard avec vous, c'est Marianne. La critique de Marianne, je peux vous la dire. Dans Une fille dans la ville, Fleur Vasseur raconte au jour le jour sa découverte de la face cachée du capitalisme. C'est Émilie Joly face au CAC 40. Au moins a-t-elle eu la décence de ne pas nous infliger le tiercé gagnant du moment, ma vie, mon œuvre, mon clitoris. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment gratuit. Bah, il faut dire que c'était pas, à la limite, elle s'en sort bien dans ce papier, parce que c'était pas un papier spécialement sur elle, c'était un papier sur tous les jeunes auteurs d'aujourd'hui. Il faut expliquer, cet article et cette journaliste reproche, c'est pas la seule d'ailleurs, aux maisons d'édition aujourd'hui, de faire des coups d'édition avec des jeunes auteurs qui parfois, c'est vrai, ont pour unique avantage d'avoir plutôt un joli visage et un joli look. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est reproché aussi, je pense à Florian Zeller, par exemple. Je sais qu'on a dit exactement la même chose sur Françoise Sagan à propos de Bonjour Tristesse, quand son bouquin a été édité, parce que Françoise Sagan, on a dit, c'est un coup d'édition à ce moment-là. Et on a dit ça dès qu'un nouvel auteur apparaissait. Dans ce cas-là, tout va bien. Et d'ailleurs, dans ce papier, comme vous le disiez, Laurent, vous échappez plutôt, je trouve, vous êtes épargné. Oui. Et on a envie de lire votre livre aussi pour cette phrase magnifique que vous écrivez à la fin et qui résume, semble-t-il, tout. Aller trop vite fait perdre du temps. Arriver, c'est mourir un peu. S'arrêter, c'est commencer à vivre. Pour moi, c'est une des grandes phrases de la littérature. Gérard Miller. D'abord, pour répondre à Christine, et voilà pourquoi votre fille est muette, ou bien je me suis longtemps couché de bonne heure avec Molière et Proust, on peut également faire du rap, je le signale. Cela étant, c'est vrai qu'on ne peut pas. Oh, Gérard, éviter. Quand il rappe, c'est terrible. Ah, quand il rappe. Il nous aura tout fait. Hein. Le scooter, le blouson, les rollers, et maintenant le rap, Gérard. Gérard, raisonnable. Gérard, tu dérapes. Tu dérapes. La question que je me pose, c'est est-ce que vous considérez que ce livre est un livre engagé ? Est-ce que vous faites en quelque sorte de la politique avec ce livre ? Franchement, oui. Oui. Pour moi, il y a une démarche assez militante. Donc, j'ai choisi la littérature et j'ai choisi l'idée de montrer, de créer des anecdotes, de créer des personnages, de créer un rythme plutôt que du texte pur et dur. Mais vraiment, il y a un message... pour moi, éminemment militant ou politique derrière ce livre. C'est ni droite ni gauche, mais c'est une lecture sur la société. Les auteurs font ça. Enfin, il y a des romanciers du réel. Welbeck fait ça. Vous aimez beaucoup Welbeck. J'adore Welbeck. Les particules élémentaires, particulièrement. Oui, alors les particules élémentaires. Enfin, pour moi, c'était il y a un avant, un après. Enfin, je veux dire, la lecture de ce livre. N'importe quoi. La lecture de ce livre pour moi, c'était vraiment voilà, j'ai deux choix. Soit je ressemble à l'un de ces personnages. Ah non. C'est le papa, alors. Non. Non. Valérie Mérès. J'ai lu votre biographie et mis à part que vous êtes une jeune femme absolument complète, puisque vous êtes sportive, vous avez réussi HEC, tout ça, enfin des trucs qui me paraissent énormes et qui ne m'ont jamais vraiment intéressée. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre bio... HEC, c'est énorme, mais déjà pour Valérie, RATP, c'est énorme. Donc, dès qu'il y a des initiales, ça devient... Ah, oui, alors là, c'est encore pire. Hein. C'est pire. Enfin, c'est quand même après la critique littéraire de Valérie qu'on se rend compte que Bernard Pivot nous manque vraiment. Allez, ça s'appelle Une fille dans la vie, prix découverte, Le Figaro Magazine, Fouquet. C'est aux éditions de l'Équateur. On vous remercie, Florence. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, on va parler maintenant de quelque chose d'assez étonnant, puisque jusqu'alors, la tradition voulait qu'on organise une grande fête le soir de son mariage. Eh bien, maintenant, on peut fêter aussi les
divorce. En effet, aux États-Unis, ce genre de célébrations post-maritales, comme on les appelle, sont devenues monnaie courante et la mode semble également s'imposer en France. On va voir, on va en parler avec nos invités, on va les accueillir sur ce plateau. Elles s'appellent Rebecca Azan et Julie Vincent et elles ont donc créé une agence spécialisée dans les fêtes de divorce. On aura tout vu. Donc si vos relations avec votre compagnon ne sont pas au beau fixe, allez-y, allez les voir, n'hésitez pas à divorcer. Vous allez passer une super soirée. Pour parler de ces fêtes de divorce, accueillons tout de suite Rebecca Azan et Julie Vincent. Bonjour, bienvenue. Il faut dire qu'au départ, vous êtes comédienne, toutes les deux. Absolument. Bah, c'est le moyen aussi de faire un peu de télé et puis peut-être de retrouver un vrai métier de comédienne, parce que franchement... Est-ce bien raisonnable, la fête du divorce? C'est vrai, ça vous dit rien comme ça? Bah, est-ce que, moi, il y a beaucoup de clients déjà dans votre agence? Alors attention, c'est très récent, nous avons fêté notre premier divorce la semaine dernière. Yeah! C'est énorme, ouais. Ça me fait beaucoup rire. Je tiens à le dire que nous l'avons fêté dignement. Tout à fait. D'ailleurs, une très jolie fête. Ah, mais je trouve que c'est une idée marrante, hein. Attention, je ne suis pas là en train d'essayer de vous agresser. Je trouve ça rigolo, amusant, mais je m'inquiète. Est-ce que c'est viable, une agence de fête de divorce? C'est la question que je me pose. Eh bien, invitez-nous l'année prochaine à la même heure, on vous dira. Et si jamais votre entreprise échoue, est-ce que vous allez fêter le plantage de votre... On compte passer aux fêtes de licenciement juste après. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ça va dédramatiser, quoi. C'est gentil. Ben, voilà. Parce que, et puis franchement... après, on pourra faire... On fête le chômage, on fête la défaite aux élections. Non. Mais le divorce, le divorce, quelquefois, vaut mieux divorcer que continuer à vivre ensemble, voilà. Entre parenthèses. Ce qui est important et très difficile dans la vie, c'est la rupture. Le divorce, en fait... C'est un soulagement, parce que généralement, quand on en arrive au divorce, c'est que déjà, il y a eu quand même une période d'écoulée entre le moment où on a décidé de rompre, ou on s'est fait larguer, ou on a largué, parce que de toute façon, dans les deux cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est difficile à vivre des deux côtés. Et donc, au moment où on doit signer les papiers du divorce, ça devrait être normalement plutôt un soulagement. Du temps s'est écoulé, voilà. Tout simplement, entre 1 et 2 ans en général. Bien que ça tende un peu à se réduire, il y a toujours 1 ou 2 ans entre une séparation et un divorce. Ouais. On a eu le temps de faire un petit deuil, de s'en remettre un peu. Ça coûte combien si on vient chez vous pour organiser, vous faire organiser la fête du divorce? À partir de 60 euros par personne, vous avez un bel endroit pour vous. Vous dînez, vous avez un DJ, vous avez un officiant parce que nous avons instauré une cérémonie de divorce. Alors, racontez-moi la cérémonie et après on en parle. Alors, la cérémonie de divorce, La cérémonie de divorce, en fait, elle est un petit peu calquée sur la cérémonie de la mairie, etc. Donc, on a un officiant qui propose de signer un statut de liberté. On reprend... Il faut que les deux divorcés soient là. Non. Alors, non. Voilà, c'est justement par rapport à ce qui a été dit au départ. Voulez-vous vous séparer de telle personne? C'est possible, sinon, si le souhait est formulé, mais c'est vrai qu'on part du principe de se faire plaisir ce soir-là, individuellement. Alors, en fait, c'est un peu le contraire de l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de jeune garçon. C'est-à-dire que c'est le retour à la vie de jeune fille ou à la vie de jeune garçon. On déterre sa vie de jeune fille ou de jeune homme. Est-ce qu'il y a un prêtre qui demande de s'enlever les alliances? Vraiment important de le souligner, on n'est absolument dans aucun rituel négatif. Très important, c'est-à-dire qu'on s'est documenté en amont là-dessus. Il y a des pays, dont tant que je ne citerai pas, où il y a un rituel où on brûle sa robe de mariée, où on brûle ses photos de mariage, on teint sa robe de mariée en noir. Nous sommes tournés symboliquement vers l'avenir, vers la nouvelle vie. Il y a un petit clin d'œil au passé, ça doit rester un moment festif, simplement. Je peux plus ce qu'on m'a dit, est-ce que la jeune divorcée lance son bouquet de divorcé et que la copine qui le rattrape, divorcée dans l'année? La nuit de divorce, elle se passe comment? Alors écoutez, c'est comme elle veut, hein. Je pense qu'elle s'est bien passée. Hein. Mais si j'ai tout compris. Ça fait partie compris, aussi du pack surprise. Il y a un go-go danseur ou une go-go danseuse qui... C'est à la carte. Alors on fait vraiment en fonction des envies et de la personnalité de la personne qui divorce. Je trouve pas ça idiot, je te jure. Hein. Je trouve ça très marrant, mais attention, en cas de divorce réussi. Gérard! La seule façon de sauver votre projet, c'est de concevoir cette fête comme une fête où l'autre n'est pas obligé d'être là. Ah non, il n'est pas du tout obligé d'être là. C'est effectivement la bonne idée. C'est-à-dire, du coup, on annonce à la cantonade qu'on est de nouveau sur le marché, que ça s'est terminé tant bien que mal, et que maintenant, on est prêt de nouveau à servir. Bien sûr, ça ne me semble pas une mauvaise idée. On est prêt à aimer à nouveau. Notre jeune divorcée de la semaine dernière a une très jolie phrase, d'ailleurs. Elle a dit, sur cette soirée, j'ai envie d'avoir le cœur net pour aimer à nouveau. Je trouve ça assez joli.
jolie, cette métaphore. Est-ce que vous êtes vous-même divorcée toutes les deux? Alors moi, oui. Et ça vient de ma petite histoire à la base, vu que j'ai fait une énorme fête le soir de mon divorce. Et pas vous? Non. Pas mariée? Pas encore. Pas encore divorcée. Vous êtes, donc il doit avoir la trouille, le mec, alors, parce que... Stevie, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je trouve plutôt l'idée bonne, c'est marrant, on passe une bonne soirée avec ses amis, ça peut être très sympa, moi, je suis pas contre. Il y a des mariachis. En tout cas, c'est fédérateur comme événement, ouais. C'est assez drôle. Les copains viennent et tout. Bah, les copains et les copains de copains, là, en l'occurrence, Isabelle, que nous avons célébré. Mais donc, ils payent chacun leur part? Alors, ça peut s'offrir. Ça peut s'offrir. Ah bah, tiens, je t'offre ton divorce. Ça dépend des contextes. Si vous avez 100 personnes pour fêter votre divorce, il faut avoir les moyens d'inviter 100 divorces. Après, je pense que ça peut tout à fait. Il faut avoir les moyens déjà. À la base, oui, ça, il faut bien se débrouiller après. Je peux juste vous faire un petit compliment. Je trouve vraiment sculptural. Vous êtes une femme sculpturale. Merci. Ça me fait très plaisir. Mais vraiment. Ah bah maintenant, alors, donc ça y est, vous allez pouvoir vous remarier. Ah, mais je suis, mais pro, j'adore le mariage. Mais j'adore le mariage, attention. Sophie, moi aussi, j'ai souvent divorcé, surtout pour me marier. J'adore la fête de mariage. C'est génial. Bon, alors, moi, je trouve que l'idée, elle n'est pas forcément géniale, parce que quand on a envie de faire une fête, on peut se débrouiller tout seul. On peut choisir les restaurants, on peut choisir les animateurs, les DJs. C'est un peu vrai ce qu'elle dit. Oui. Donc, quel intérêt de passer par une agence qui va vous prendre encore un petit pourcentage. La seule chose qui est intéressante, c'est ce côté fédérateur qui fait que on va réunir les amis. Et dans un divorce, c'est le problème le plus essentiel. Absolument. En général, on se partage les amis ou on se retrouve sans amis, les amis qui étaient en commun. Et ça, c'est assez douloureux parce que ça ajoute un plus dans la solitude. Et là, c'est très sympa de réunir les divorcés et de dire, eh ben, on va l'avoir là aussi, on va piquer tout ce qui reste et tous nos copains sont pour nous. Mais enfin, l'idée, elle est sympathique, voilà. Alors, qu'est-ce que vous apportez de plus? Parce qu'elle a, alors, elle a raison, Sophie, c'est une bonne question. Bien sûr. Après tout, on peut organiser ça soi-même. Alors, nous avons des lieux atypiques. Ah. Pour exemple, nous avons donc célébré notre premier divorce dans un endroit qui s'appelle le Salon Lafayette. Oui. C'est un appartement avec un salon de réception à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un immense appart haussmannien sublime avec toutes les fonctionnalités d'un salon de réception. Voilà. Donc ça va être, on va s'inscrire dans ce genre de registre. Personne ne connaissait l'endroit où on a fait notre première fête, par exemple. On s'est vraiment, on s'est bien pris la tête, voilà. Mais on a pour faire du sur-mesure également. On fait du sur-mesure. Ce qui est important, c'est de connaître la personne qui va avoir cette démarche-là. On peut pas proposer un pack comme ça en disant voilà, on déchire, on fait une cérémonie. Valérie. Bah écoutez, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que, quitte à... Ce qu'il faut se dire quand on divorce, je sais bien que c'est difficile de, au moment où on souffre, etc., se dire tout ça, mais en même temps, la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. Notre philosophe a encore parlé. Merci Valérie Mérès. Rebecca Azan, Julie Vincent, la fête du divorce. Je propose de rester avec nous quelques instants parce que vous allez peut-être apprendre justement qui se marie, qui divorce, peut-être des futurs clients. Ah, oui. Tout ça grâce à Paul Vermus et ses popolades. Bonsoir Paul. Petit, je vous appelle petit. Enfin, Monsieur Vermus, on ne dit pas à une de nos invitées « bonjour, petite ». Parce qu'elles sont toutes jeunes, elles sont charmantes, voilà. Et voilà la raison pour laquelle j'appelle. C'est plutôt familier. Alors, vous allez me parler, pour commencer, d'une cérémonie, vous aussi, non pas la cérémonie du divorce, mais la cérémonie des Gérard de la télé. Alors, ça, c'est assez extraordinaire. Ça sera décerné le 29 novembre au réservoir, c'est à côté de la Bastille, par un jury composé d'une quarantaine de journalistes de la grande presse. Et ça récompense quoi, alors, Gérard? Ça récompense les pires émissions, c'est-à-dire les nanars. Hein. Alors, il est nominé, Gérard? Je vais vous en parler, il est nominé, mais je voudrais vous parler des catégories. Alors, vous avez la catégorie pire bide. Alors, dans la catégorie pire bide, vous... ça fait rire, tiens. J'espère. Vous êtes Vous avez le royaume de TF1, vous vous souvenez, ça a duré quelques temps. Vous avez le Dancing Show avec Anthony Cavana sur notre chaîne. Vous avez Fallait pas décrocher avec l'ami Morad. Je crains que ça soit TF1 qui décroche la récompense. Alors, dans la catégorie les plus mauvais, Laurent, non, c'est pas une blague, j'ai Laurent Veil, j'ai Laurent Fontaine, Laurent Romeshko, puis aussi les Laurence, hein, Laurence Boccolini, Laurence Ferrari, etc. J'y suis pas, moi, dans les plus mauvais, Laurent. Si vous y êtes, vous êtes là, c'est dans le listing. Il a pas osé, l'HQ. Dites-le, enfin. Attendez, c'est pas 10 000, Laurent, j'imagine qu'on y est tous. Non, j'ai pas fini. Je voulais juste vous dire, malheureusement, c'est pas vous qui l'aurez. Ah. C'est Laurent Fontaine, voilà, bon. Alors, vous avez la catégorie tête à claque. Laurent. Ah. Ouais. Dans la catégorie tête à claque, vous avez Tex. Vous avez. Tex qui anime Les Amours sur France 2. Vous avez Denis Brognard. Vous avez là le chanteur de Mexico, Stevie, là en face de moi.
Vous avez notre ami Gérard Miller, qui est maintenant mon nouveau meilleur ami. Mais je suis... Et puis, vous avez Cécile de Ménibus. Et le gagnant, ou la gagnante? Tex. C'est grande chance de Tex. Oui. Alors, vous avez aussi dans Tex la... Tex à claque. Vous avez aussi dans la catégorie les séries allemandes les plus soporifiques. Ah oui, alors vous avez Derrick, le renard, Chimansky, le clown. Je pense que Derrick aura toutes les chances. Et vous avez une catégorie tout à fait incroyable. La plus mauvaise prestation d'un membre de la famille Castaldi. C'est-à-dire, vous avez... C'est quand même incroyable, hein. Vous avez Jean-Pierre Castaldi pour Capitaine Casta, fiction sur la une. Vous avez Catherine Allégret, qu'on l'envoie dans Navarro. Vous avez Favi Flamand... C'est ma vie. Vous avez le Benjamin Castaldi qui a animé pendant l'émission sur Johnny Hallyday. Et vous avez aussi Yves Montand pour l'immortalisation d'Abicyclette par les élèves de la Starac. Et je crains que ce soit les élèves de la Starac qui vont décrocher le pompon, oui. Résultat le 29 novembre. Voilà. Le programme de Nicolas Sarkozy et le programme de Ségolène Royal, comparé par Paul Vermus pour les idées gadgets. Voilà, en fait, c'est pas les idées gadgets, c'est même mieux que ça. C'est les jeunes seront au centre de la future campagne présidentielle. Ah. Alors, par exemple, dans le programme de Ségolène Royal, on trouve des choses tout à fait intéressantes. L'enseignement du hip-hop dans les cours d'éducation physique, ou alors l'enseignement du slam dans les cours de français. Ça, c'est bien. C'est pas idiot, non? Ça, c'est bien. Alors, quoi d'autre? Alors, vous avez aussi un JTJ, ce sera un journal télévisé quotidien uniquement consacré aux jeunes. Ça, c'est le programme Ségolène, c'est pas idiot, ça peut se faire. Maintenant, chez Nicolas Sarkozy, il veut lancer ce qu'on appelle un gouvernement junior, c'est-à-dire que chaque ministre désignera un ministre junior placé sous la houlette du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il n'aura pas un pouvoir d'exécution, mais il aura un pouvoir consultatif. Il y aura donc un gouvernement junior. Sarko, il fait ça pour avoir des gens à sa taille. Voilà. Et ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ces idées ont été piochées dans les deux programmes. Hein. Alors, une autre idée pour les jeunes de Sarkozy? Alors, la création d'un ministère des cultures urbaines, c'est-à-dire un grand ministère qui va englober les arts du graffiti, le rap, la breakdance, enfin tous ces trucs un peu farfelus, voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre Doc Gynéco comme ministre et c'est bon. Quelques dernières infos avec Michael Schumacher, je voudrais. Ah oui, ça c'est bien. Vous savez qu'il a gagné beaucoup d'argent et donc il vient de placer son argent dans l'achat... D'un vignoble dans le Bordelais, un premier cru bourgeois. Alors, c'est quand même un homme d'affaires. Du rouge Ferrari? Oui, si vous n'êtes pas loin de la vérité, c'est oui. Parce que vous savez qu'il y a plein de déjeuners de VIP juste avant la course de Formule 1, pendant les championnats du monde, tous les VIP, les chefs d'entreprise, tout cette jet set se retrouvent. Donc, ce vin sera servi à cette occasion. Le vin Choumi. Oui, enfin, c'est un bon cru bourgeois que j'ai goûté et qui est bien. Le château vroom vroom. Voilà, et je peux vous dire que normalement, je pense que c'est quasiment fait, il sera l'adjoint de Jean Todt pour l'année qui vient. Berlusconi, maintenant. Alors, l'histoire est assez incroyable. Figurez-vous qu'il a fait passer une note de service extrêmement sévère à tous ses journalistes de Mediaset, c'est-à-dire les journaux et les télévisions de son groupe. Parce qu'il reste patron des médias, même s'il n'est plus au pouvoir en Italie. Et alors, il en a assez, parce qu'il est très fidèle. Il est très fidèle. Il est très copain avec Gina Lollobrigida, ceux qui ne savent pas, star des années 70-80. Gina... j'essaie d'arrondir maintenant. Elle s'est arrondie toute seule. Ouais, non, mais Gina, qui est aujourd'hui bon photographe, elle a 79 ans, elle est amoureuse d'un Espagnol, chef d'entreprise, qui a quand même 40 ans de moins qu'elle. Ouais. Et alors, tous les journalistes la raillent, s'amusent. Et Berlusconi, qui est un intime... La raille, c'est un jeu de mots, bravo. Oui. Ils s'en étaient même pas aperçus. Mais ça, c'est le talent qui est inné. Vous aviez, au bout d'un moment, je déteins sur vous, vous déteignez sur moi. Enfin, bref, je sais bon, stop. Simplement, il est très ami avec Gina, ou avec Lolo, pour ceux qui... Bref, il est plus question de se moquer d'elle, et il y aura une mise à pied pour... Moi, j'ai failli épouser Madame Lolo Brigida. Non, comment ça? C'est encore un jeu de mots. Attention, allez, mesdames attendez, et messieurs, jeu de mots. Jeu de mots à deux balles. Notre couple aurait été formidable, on se serait secoué l'un et l'autre, Laurent Gina. Plus question de se moquer donc du couple, plus question de se moquer de ce couple. Donc voilà, il a laissé. Il y a une note de service mise à pied pour ceux qui continuent. Voilà, parce qu'il protège ses amis. Oui. Le prince Charles maintenant. Alors il a lancé un site sur le web, un site absolument incroyable où il donne heure par heure son emploi du temps. Il donne aussi des nouvelles quotidiennes de ses deux fils. Alors ce qui est extraordinaire. Qui s'appelle William et Harry. Bravo. Et Harry.
Il n'aidait pas dans ces cas-là. Il fallait qu'il regarde. C'est un examen ici, c'est quoi? Expliquez-moi. Allons-y. Oui, non, mais non. Dont la maman s'appelait. Oui, oui, Lady. Bon, bref. Mais arrête. Ça suffit, Laurent Ruquier. Et alors, bon, le prince fait de la pub pour tous les produits bio, vous savez, qu'il commercialise d'une quantité, donc il fait de la pub sur son site, ça c'est assez amusant. Il donne même le menu de ses dîners officiels sur le site. Voilà, bon, c'est amusant. Et comment ça va avec sa femme ? Je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tous les cas, c'est visiter son site. Avec Camilla, comment ça se passe ? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Est-ce que Camilla et le prince Charles peuvent aller voir nos amis Rebecca et Julie pour divorcer pour une fête ? Ça serait une très bonne idée, d'ailleurs. Oui, je prends aussi. Mais il y a aussi. Je ne pense pas qu'ils prennent ce chemin-là. Le divorce du siècle, ce serait fabuleux. Mais vous devriez aussi inventer parce que les fêtes d'enterrement, parce que finalement, après un enterrement, s'arsouiller, se pochetronner, je trouve que c'est aussi une bonne idée. En tout cas, pour vous, on y pensera. Vous le pensez pas ? Non. Si, ah bah si. Bon, mais d'accord. Vous aimeriez pas qu'on fasse la fête, qu'on s'amuse, qu'on rigole ? Ouais. Allez, c'est vendu ! On ira boire une bière. Paul Vermus ? Oui ? C'est tout pour aujourd'hui ? Je crains que oui. Si on faisait une fête du divorce et vous revenez pas la semaine prochaine. Bah vous faites ce que vous voulez, de toute façon c'est vous le patron, hein. Allez, je vous reprends quand même. Merci Polo. Les popolades de Paul Vermus. On trouve votre agence sur internet, j'imagine. Oui. Alors voilà, à tous les divorcés qui nous regardent ou futurs divorcés, allez voir Rebecca et Julie, ils vont vous organiser ça. Elles vont vous organiser ça aux petits oignons, si j'ose dire. Un peu comme ça se fait aux États-Unis. Ça marche vraiment aux États-Unis, ça? Alors aux États-Unis, ça marche très très bien, mais je vous dis, nous, la nuance qu'on veut vraiment apporter... Pas de trucs glauques. Rien. On ne brûle rien, on se tourne vers la perspective d'une jolie vie nouvelle. Voilà. Bah bonne chance, mais à mon avis, cherchez quand même encore à être comédienne parce que c'est quand même pas gagné. On reparlera de cette agence dans un an, on fera un bilan, hein. D'accord ? Avec plaisir. Volontiers. Vraiment. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Après 8 ans d'attente, l'interprète, entre autres, de La Croisade des Enfants, de Tombée du Ciel, de Champagne, de Par, Jacques Higelin, vous l'avez déjà reconnu, sort un nouvel album. Ses fans attendaient cet album depuis longtemps, lui aussi, à tel point d'ailleurs qu'il a déclaré avoir eu le curieux sentiment d'enregistrer comme son premier album. Le disque, sorti lundi dernier, s'intitule Amor Doloroso. Selon les puristes, on y retrouve le meilleur de Jacques Higelin. Avant une grande tournée française dès l'année prochaine, dont un passage à Paris du 6 au 10 mars au Bataclan, Jacques Higelin est chez nous ce soir. Voici Mister Higelin. Alors c'est vrai que vos fans et que le public attendaient cet album parce qu'il y avait eu une pause, on va dire, avec les chansons de Charles Trenet. Et ça a été un moyen aussi de renouer contact avec le public. Higelin, cette tournée, ce triomphe avec les chansons de Trenet. Mais ça y est, vous revenez enfin avec vos chansons. Ça a été dur d'accoucher de ces nouvelles chansons ? Prenez votre temps. L'apparition du silence à la télévision, repos pour tout le monde. Ça a été extrêmement dur, j'ai beaucoup souffert. Heureusement que j'étais bien entouré parce que vraiment, c'est une épreuve terrible, bien plus terrible que d'être parmi les 4 millions de chômeurs en France. Et tout non, ça. Mais ça, j'imagine d'être bien. Un chanteur, c'est vraiment épouvantable. Je m'excuse de faire cette profession. Je suis désolé, j'espère disparaître le plus vite possible. Mais ça m'a pris 8 ans, parce que maintenant, j'écris mot par mot. Et encore, quelqu'un me tient la main, voilà. Mais, alors, je vais changer ma question. Si vous voulez, je change ma question, je la pose autrement. Non. Est-ce que difficile. Est-ce que vous aviez perdu l'inspiration et vous l'avez retrouvée, ou est-ce que vous n'aviez pas envie d'écrire ? Enfin, voilà, l'inspiration ne m'a jamais quitté, mais parfois, elle vous laisse tranquille pendant un moment, voilà. Des fois, c'est une semaine, des fois, c'est un mois où on n'écrit pas du tout, parce qu'on a autre chose à faire, par exemple, embrasser la femme qu'on aime ou caresser ses enfants. Je sais pas, faire des choses utiles, quoi. Je tremble, j'ai peur à la télé, vous pouvez pas imaginer. Non, aucun souci, mais, pourtant tout va bien. Là... Oui, je sais, mais d'un autre côté, c'est comme ça, quoi. C'est physique. D'accord. Ça me prend par le bas, ça me prend par le haut, j'ai envie de chialer. C'est physique, Bouche. Après, les gens, ils disent, ah ouais, vous êtes pas naturel, vous arrêtez pas de déconner. Mais ils sont jamais su ce que c'est que d'avoir peur de la télé. Moi, la télé, quand je la regarde, j'admire les gens qui passent
Non. Qui sont à l'aise, quoi. Oh, je les admire pendant 10 minutes. Vous vous souvenez quand vous m'avez... Après, je zappe. Il a failli me taper un jour, là. Vous vous souvenez? J'étais d'une humeur hyper gaie. Et quand je suis sorti de l'émission, j'ai dit, waouh, c'était bien, c'était détendu, cette femme est géniale. Et vous m'avez regardé avec beaucoup de froideur quand Mais non, j'avais les jetons. Mais vous vous rendez pas compte, on était en direct, je commençais à la télé, vous venez derrière moi, vous me secouez la tête. Et moi, j'ai vachement les jetons. Mais vous regardez, on est en... Mais vous n'avez pas changé, Jacques. Vous n'avez pas changé et j'ai adoré votre album. Alors là, pour le coup, je peux dire ma chanson préférée. Je vais vous dire ce que vous allez faire comme tube. Le tube dans... Allez, je présente l'émission Seins Nus si c'est pas un tube. C'est... sûrement dire un qui va faire danser. Faites un effort. N'achetez pas le disque. Jacques, au Paris... Yves Rouli à Liverpool, c'est un méga tube, c'est un disque d'or, de diamant, ça c'est du platine, je sais pas quoi. Sinon, je présente comme j'ai dit, voilà. L'hiver au lit à Liverpool, c'est la quatrième chanson de l'album. Bah, c'est marrant, moi c'est pas la même, moi ma préférée, c'est Ice Dream. Ouais, elle est belle aussi. Ah oui. Ah oui. Ah, elle est sensuelle. Parce que moi je vous préfère dans les balades, dans les choses un peu plus lentes, un peu plus romantiques. Là, moi c'est Ligevin que je préfère. Ah. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Ouais. C'est ça qui est formidable évidemment dans cet album, c'est que vos fans vont vous retrouver dans les différentes disciplines que... Gentil comme mec. Hein? Ah oui, là, bon sympa. Vous avez moins peur alors finalement maintenant. Mais maintenant ça va mieux. Bon, bah, très bien. Bon, on regarde ensemble un extrait de l'album Amor Doloroso. Amor Doloroso, nouvel album de Jacques Higelin. Demain soir, dans On n'est pas couché, vers 23h, 23h30, ça dépendra de Michel Drucker, on reçoit dans l'émission Armand Altaï, avec qui vous avez chanté et fait un spectacle formidable. Ouais. Elle a beaucoup parlé de vous et en bien, énormément en bien. On sait aussi d'ailleurs qu'elle a parfois travaillé avec Arthur, votre fiston. Elle lui a fait travailler sa voix. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez fait travailler aussi Jacques Higelin? Il m'a dit, ah non. C'est le contraire, c'est lui qui m'a tout appris, Jacques Higelin. Waouh! Elle est géniale, cette femme, hein, Armand Altaï. C'est une découverte. Ah non, mais c'est une découverte. Higelin, Amor, Doloroso, Gérard Miller. Moi, je vous aime bien et j'ai appris avec stupéfaction que ça faisait 8 ans que vous n'aviez pas fait d'album original. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vous écoute tellement que du coup, 8 ans d'absence, paradoxalement, ça ne m'avait pas frappé. On a toujours envie de dire à quelqu'un qu'on aime, vous nous avez manqué, 8 ans c'est trop. Eh bien là, je trouve que vous avez une telle capacité d'occuper l'espace que même quand vous ne chantez pas, vous chantez encore. Et du coup, avec un album comme le vôtre, je suis sûr que ça va me faire encore 20 ans de bonne écoute. Oh, merci. À votre âge, c'est pas sûr, Gérard. C'est pas sûr, je suis d'accord. Valérie, Mérès. J'ai fait une analyse, une espèce de synthèse. Non, sans rire. Sur le disque. Et alors voilà. Tenez-vous bien. Je pense que tout ce qui est... Arrêtez-vous là, je pense déjà. Champagne. Pour ceux qui aiment Jacques Higelin, ce disque est un grand Higelin. Ouais. Et pour ceux qui n'aiment pas Higelin, c'est un Higelin. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça parce que ma meilleure amie, elle vous adore, elle est folle de vous. Et quand je lui ai dit que j'avais l'album hier soir, elle est venue dîner chez moi pour écouter le disque, c'est, par exemple. C'est bien, si je c'est suis vrai. Pour la réunion bon, des amis. Et donc, voilà, donc je l'ai écoutée avec elle et elle était fou là là. C'est même pas la peine de la toucher, Jacques. Hein, il suffit qu'elle écoute. Moi, alors que pense a dû lui plaire la première chanson. Elle aime tout. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette analyse en disant que les gens qui aiment, ils vont vraiment adorer ce CD là, quoi. Ouais. C'était bien. Non. Ben, c'est une analyse comme une c'est autre. Une analyse. Que je résume, ceux qui aiment vont aimer. Vont adorer, ah ouais. Adorer. Alors,
compris, rien, toi, hein, vraiment. Vieux Luc, c'est un grand cru, c'est un Islay grand cru. Oui. Moi aussi, ma préférée, c'est Ice Dream. Ah, c'est ah oui. Et puis que de penser, c'est que ça m'a explosé. Je voudrais vous poser une question. J'ai fait un petit sondage autour, dans l'équipe, etc. Et je me rends compte que Higelin, c'est impossible à chanter pour nous, pauvres mortels. Pars et surtout ne te retourne pas. Faut pas mettre le « et ». Non. Il y a pas, c'est parce que j'ai dit le « et ». Voilà. « Pars, surtout ne te retourne pas ». Voilà. Mais t'arrives à le faire. En trop, moi. Non, mais j'ai posé la question à vos collaborateurs. Vous êtes le chef et vous connaissez tout, Laurent. Et nous nous prosternons devant, devant votre talent. Mais, donc, c'est vrai, en même temps. des gens un peu normaux. Et non, allez, il y en a quelques-unes, mais pas pléthore. Et j'arrive chez un jeune assistant saut et je dis, tu peux me chanter une chanson d'Higelin? Il me dit, facile. Je dis, vas-y. Il me dit, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les Irlandais. Je dis, formidable. Excellent. C'est aussi vous, parce que vous avez marqué traîner de votre personnalité. Mais, et vous allez voir l'enchaînement très subtil de ma question, il y a de la joie, vous colle à la peau maintenant, depuis traîner, et pourtant je trouve que chez vous, il n'y en a pas tellement de la joie. Vous êtes un homme joyeux et je sens une tristesse. Même quand vous riez, quand vous plaisantez, il y a une tristesse au fond de vous. Pas une tristesse, une mélancolie. Voilà. Je l'avais écrit, mélancolie. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui me mettent dans cet état-là, voilà, sur la planète. Des hommes, des êtres humains. Mais je ne vais pas plomber l'atmosphère. Non, non, mais je veux dire, toutes les choses, toutes les souffrances des gens, bah, ça m'atteint, oui. Ouais. Ce n'est pas une tristesse. Elle est juste sur mon visage. C'est une tristesse joyeuse. Parce que je suis né pendu. Il y avait le cordon autour du cou quand je suis sorti du ventre de ma mère. Ouais. Et il paraît que je chante, quand je force la voix, elle est étranglée. Ouais. Parce que ma mère, un jour, m'a révélé que c'était ça. D'où la chanson Liverpool, parce que vous rêviez d'être anglais. Comme l'éventail de notre ami. Stevie. J'aime bien, alors qu'au premier abord, je n'aurais pas forcément acheté le CD ou écouté le CD, parce que je ne vous connais pas et puis vous n'êtes pas de ma génération. Donc, bah, c'est toujours une nouvelle, encore un truc que j'ai appris, vous. Et bah, je suis vachement content, quoi. Et puis, je vous trouve génial pour une chose, c'est que vous avez la soixantaine flamboyante. Et je vous trouve... 66, ouais. Et je vous trouve génial, j'aimerais vraiment être comme vous à votre âge. Je vous trouve débordant d'énergie, un vrai gamin. Ça, c'est vrai, d'ailleurs. Il a raison pour ça. Vous êtes un éternel enfant? Ben, non, mais j'ai pas renié mon... Non, je suis un homme aussi, même un vieil homme. Mais j'ai jamais renié tous les âges. Je pense que l'histoire de la jeunesse, c'est pas tuer l'enfant, c'est pas tuer l'adolescent, c'est pas tuer le jeune homme, mais continuer à vivre comme des poupées russes, comme ça, et on se construit. Et puis d'être un vieux plutôt marrant qu'un vieux qui fait chier tout le monde, quoi. Et ça, j'ai horreur. Mais moi, il y a des vieux que j'adore, vraiment. Pourquoi vous vous décoiffez? C'est parce que j'ai toujours l'impression d'être mal coiffé. C'est un... Ah, ben oui, mais... Mais oui, mais là, c'était à peu près pas mal. C'est un trouble obsessionnel convulsif. C'est un toc-toc. Un toc. Ouais. Double toc. Et puis ça me calme, c'est tout, c'est nerveux. Amor Doloroso, c'est le nouvel album de Jacques Higelin. Il démarre une tournée à travers la France. Et on sait que c'est important pour Higelin, parce que la tournée et la scène, c'est de là d'où il vient. Et c'est important de l'entendre et de le voir interpréter ses chansons sur scène à partir du 19 janvier à travers la France et de passage à Paris au Bataclan du 6 au 10 mars précisément. Vous restez avec nous quelques minutes pour jouer? Ouais. Vous aimez bien jouer? Oui. Qui a vu qui a vu quoi? Qui a vu quoi? Un peu spécial ce soir, parce que, on va regarder les classements vite fait, c'est Stevie qui est en tête. Hein. En queue de classement, vous retrouverez bah, évidemment Philippe Gueluc, le moins bon, et Christine, pas très bonne non plus. Mais ce soir, le qui a vu qui est un peu spécial, puisque pour rendre un dernier hommage dans notre émission à Philippe Noiret, j'ai pris que des photos, des films et des rôles de Noiret. À vous de retrouver le film. Hors-jeu. Ah bah vous êtes hors-jeu, vous débrouillez hein, après ça. C'est pas nouveau. Hein. Alors attention, première photo. L'Africain. Non. Non, le film qui se passe en Afrique, il y a Gérard Hernandez qui joue là-dedans. Le coup de torchon, bravo, Sophie Garrel. Avec Guy Marchand, Eddie Mitchell, Gérard Hernandez. Le coup de torchon, très exactement, réalisé par Bertrand Tavernier. Ça et aussi avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle. On va mettre 1000 points pour chaque réponse ce soir. 1000 points, il n'y aura pas de changement pour Le coup de torchon, un des films de Philippe Noiret. Un autre. Les Ripoux? Non, les Père et Fils. Père et Fils, c'est Philippe Gueluc, le premier. Avec Charles Berling, Pascal Elbé, film de Michel Boujna. 1000 points pour Philippe Gueluc. Autre film avec Noiret.
C'est Michel Bouquet oui. qui est là. Oui. Ouais. Ah, je vais vous aider alors. Les côtelettes. Les côtelettes, 1000 points encore pour Sophie Garel. Ça a été une pièce au départ, les côtelettes de Bertrand Blier. Et puis un film avec Michel Bouquet, un film réalisé par Bertrand Tavernier. 1000 points supplémentaires. Photo suivante. On reconnaît... Alexandre le Bienheureux. Non, on reconnaît Jean-Louis Trintignant et Marlène Jobert. Ah ben oui, Marlène Jobert. Oui, non, le coup du parapluie. Non. Le vieux fusil. Non. Casse-toi, tu vois pas que je suis occupé, c'est ça, non? Non. Le cerf. Le quoi? Le cerf. Le cerveau. Non. Le cerf-tête. Non. Le serin. Non. Attends, mais je l'ai vu, le film. Je peux pas vous le dire, justement, parce que c'est un... Le secret. Le secret. Gérard Miller, le premier. Bravo. Le secret. Avec Marlène Jobert et Jean-Louis Trintignant. Photo suivante. Très grand film de Philippe Noiret. L'horloger de Saint-Paul. Il y avait 1000 points pour tout le monde, tournée générale. Sauf pour Stevie. Dernier film, c'est très facile. Cinéma Paradiso. Excellente réponse de Christine. 1000 points. Un film de Giuseppe Tornatore avec Jacques Perrin et Isa Danieli, un des plus beaux films, très récents d'ailleurs, hein, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, de Philippe Noiret, Cinéma Paradiso. Magnifique. Vous n'avez jamais tourné, parce qu'on sait que vous avez fait du cinéma quand même, ne l'oublions pas, Jacques Higelin, jamais vous avez tourné avec Noiret? Non. Que film si j'avais tourné avec lui, Bébert et l'Omnibus. Bébert et l'Omnibus. Ouais, ils étaient dedans, Philippe Noiret. Alors vous étiez tout jeune. Hein. Ah ouais, ouais. Et puis là, on mangeait dans un wagon, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Tous les grands comiques. Là, tous ils étaient là. Tous et là. Ils sortaient des anecdotes sans arrêt dans des wagons et on a rigolé vraiment grave. Quoi. Ils là tous étaient. Oui. Et tout là, c'était. Et ils suscitaient l'angoisse de tout cela était. Bébert et l'Omnibus, si vous voulez voir un film avec Jacques Higelin et Philippe Noiret. Higelin, Amor Doloroso, c'est ce qui est le plus important pour Jacques en ce moment. C'est son dernier bébé, on peut le dire. Hein. Son dernier album, en tout cas, dernier en date. Il y en aura d'autres, on imagine. En plus, il a retrouvé une maison de disques, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu ce problème, comme Chamfort, d'ailleurs, hein, de ces artistes qui, à un moment donné, ont été plus ou moins écartés de ces maisons de disques. Ça ne m'a pas du tout pesé. Voilà. Pas du tout. Au contraire, ça vous a libéré. Ah oui, ça m'a libéré, ouais. Et ils vous ont pris vos chansons. Voilà. Ouais. Eh bien, génial. Voilà. Nouvel album d'Higelin au Bataclan l'année prochaine et en tournée à travers la France. Merci, Jacques Higelin. Demain soir, à la même heure. Restez, deux minutes. Demain soir, Christine Bravo. Vers 19h, avec qui? Danny Boone. Avec Danny Boone. Et nous, on se retrouve vers 23h15, 23h30, n'est-ce pas, Michel Drucker? Tu retiens bien, hein, l'horaire. 23h15, 23h30 pour On n'est pas couché, avec entre autres Patrick Bruel, Philippe Torreton, Armand Altaï et beaucoup d'autres. À demain. Bye bye.